Bonjour, nous recevons aujourd'hui Alexandra Schimmel-Fila, qui est la directrice de la communication du groupe Zili. Zili étant une maison d'habillement masculin de luxe. Alexandra, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de tas de choses, de la nouvelle communication et du nouveau branding de la maison familiale Tout à Zili. fait. Première question, vous êtes partenaire de la Biennale de Lyon qui ouvre le 10 septembre. Alors, pourquoi une maison comme la vôtre s'inscrit dans ce mouvement, veut devenir partenaire de cette biennale? Alors, la maison Zili est partenaire déjà de la Biennale depuis, donc on est sur la cinquième année de collaboration et de partenariat. Tout simplement et assez naturellement, Zili étant une maison lyonnaise, on a toujours voulu soutenir finalement la ville de Lyon quelque part. Et c'est assez naturellement qu'on s'est rapproché de la Biennale de Lyon pour en devenir un partenaire, je dirais, jusqu'à cette année assez discret et avec cette édition, un partenariat un peu plus renforcé puisqu'on va soutenir un artiste chinois qui vient présenter une œuvre donc lors de cette 12e Biennale de Lyon. Quand on est une maison de luxe aujourd'hui, est-ce qu'il est obligatoire finalement de s'impliquer comme ça dans ces territoires hors de ses propres savoir-faire? Non, non, il n'y a aucune obligation, il y a une affection. D'une part, affection, je disais, sur le travail qui est fait par la Biennale de Lyon, enfin par la ville de Lyon sur cette biennale qui devient de plus en plus importante. Et puis, alors, et ça, c'est une stratégie de la maison, de choisir un terrain qui corresponde à sa maison, dans le sens où, en fait, l'art, pour nous, a toujours été la base de notre travail. La culture fait que Zili est à ce niveau-là aujourd'hui, existe à ce niveau-là. Et tout simplement, ce sont des choix personnels qui nous ont conduits à aller sur le domaine de l'art contemporain. Je crois que l'implication de la maison Zili sur l'art contemporain ne se limite pas à la Biennale. Je crois que vous avez soutenu une exposition de Pierre Soulages à la Villa Absolument, Médicis. C'est absolument. un mouvement que vous allez continuer, Oui, absolument. accentuer? En fait, on est partenaire donc d'une part de la Biennale d'art contemporain à Lyon, mais également de la Villa Médicis, et on en est le principal mécène. Et notamment cette année, c'était une exposition sur Pierre Soulages. Pierre Soulages, qui était une exposition très importante puisque c'était la première fois qu'il exposait en Italie de son vivant. Une très belle exposition à Rome. Non, on est partenaire de la Biennale, de la Villa Médicis depuis 4 ans maintenant. Alors, dans le même temps, cette implication grandissante dans le milieu de l'art, dans le même temps, le grand public va découvrir une nouvelle campagne de com de la maison Zili, Absolument. qui change tout au tout, puis vous avez pris une égérie sous la forme de l'artiste Aaron Young, vous avez Absolument. fait appel à un grand photographe Peter Lindbergh. Pourquoi maintenant et pourquoi faire? Assez naturellement, vu notre histoire de partenariat avec soutenir en fait avec notre mécénat en fait. L'idée de prendre un artiste d'art contemporain qui porte un blouson Zili nous est apparue assez naturelle. Alors pourquoi Peter Lindbergh? Parce que ça, à titre personnel, d'abord, ça m'intéressait beaucoup de travailler avec des grands photographes. Et quand on parle de grands photographes, on s'adresse aux meilleurs. Et c'était intéressant de voir le travail d'un grand photographe. Le regard d'un grand photographe sur un vêtement et sur comment il pourrait faire vivre le blouson Zili. Donc c'est un on avait besoin également de repositionner, d'établir notre territoire de marque.
Voilà, donc c'est le début d'une trilogie, je dirais, puisque sur les 3 prochaines années, ça va être la stratégie de communication de la maison. Donc un grand photographe avec un artiste d'art contemporain qui met en avant le blouson Zilly, qui est la pièce maîtresse chez Zilly, puisque c'est l'ADN, le retour à l'ADN de la maison. Donc on peut s'attendre dans les prochaines années, en 2014 et en 2015, à d'autres surprises avec de nouveaux artistes. Absolument. Et de nouveaux photographes. Oui, tout à fait. Alexandra Chimelfila, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.